Voici donc le numéro 24, voici donc le 24, non rien de rien, par Zamindar et Nickel. Nous avons vu sa mère s'exprimer en piste il y a quelques secondes, remportant une liste dans plat à Longchamp, sachant qu'elle avait aussi remporté une liste au préalable en obstacle à Auteuil, le prix Finot. Et très étonnant, ou le Moyen Monarque d'ailleurs, elle est très étonnante. Nickel fut une gagnante de liste et même placée de groupe en plat après avoir gagné liste en obstacle. À l'image de sa famille finalement, puisque c'est toute la souche des haines de Néonémie, qui a été formée, entraînée, mise sous lumière par Jean-Paul Gallorini. Et donc, c'est l'un des rares membres de cette famille qui est disponible en tant qu'étalon. Il y en a eu quelques-uns, dont Nickname, que tout le monde connaît, qui est mort malheureusement. Norris Catole, qui marche très bien aujourd'hui. Norris Catole, ça fait partie du top 10 des étalons d'obstacles en Europe. Et ce non rien de rien, qui est un fils de Zamindar, le père de Zarkava, qui mesure 1m68 et qui est proposé à 2 500 euros.